Bonjour chers amis, bonjour le monde. Après la lecture que vous avez plusieurs fois répétée, nous allons donc commencer la résolution de cet exercice. Ici, nous avons donc un exercice qui possède un sujet de oxyation mécanique, un sujet de mouvement du centre d'inertie, un sujet de champ de pesanteur. Comment faire face à ces sujets? Après lecture, vous devez prendre la peine de relire le sujet une deuxième fois. Lorsque vous finissez de bien lire le sujet, alors vous commencez à mettre les différents titres que ce sujet possède. Chers amis, nous allons donc commencer par la première partie. La première partie, il s'agit de mouvement sur la option ABC. Chers amis, le mouvement sur la option ABC. Ici, la première question est nommons la forme de l'énergie que possède l'ensemble solide et ressort. Point A. Chers amis, observez avec moi au point A. Au point A, l'on a un ressort qui est attaché à un solide. Lorsqu'il y a un ressort attaché à un solide, au point A, il y a l'énergie potentielle élastique. Pourquoi? À cause du ressort. Au point B, nous ne voyons pas de ressort. Nous voyons seulement qu'un solide. Alors, au point B, il est clair d'affirmer qu'il y a l'énergie cinétique en B. Au point A, nous avons un ressort plus un solide. Il n'y a donc pas d'énergie potentielle élastique. Au point B, nous avons seulement qu'un solide. Il y a énergie cinétique. Alors, nous allons donc dire au point A, la forme d'énergie que possède l'ensemble solide ressort est l'énergie potentielle élastique. Et pourquoi? Car il y a la présence du ressort. La présence du ressort permet d'avoir l'énergie potentielle élastique. La présence du ressort permet d'avoir l'énergie potentielle élastique. Si vous ne voyez pas de ressort et vous voyez un solide, il y a énergie cinétique. Alors, nous allons répondre à la deuxième question. Étant donné que la question nous a demandé de donner la forme, on nous demande aussi de donner son expression. Son expression. Énergie potentielle élastique au point A serait donc égal à 1 demi de K X A au carré. Voici donc l'expression de l'énergie potentielle élastique. Nous allons donc poursuivre tout en répondant à la deuxième question. Nommons la forme d'énergie que possède le solide au point B.
Au point de faire, ami, que constatez-vous? Il n'y a pas de ressort. Alors, il faut dire, au point B, la forme d'énergie que possède le solide est l'énergie cinétique. Ce qui signifie E, C, en B. Son expression. L'énergie cinétique en B serait donc égale à 1 demi de MV B au carré. Chers amis, nous allons donc poursuivre. Alors, en 3, il est question de déterminer, d'après l'énoncé, la vitesse du solide en B. Chers amis, comment déterminer la vitesse du solide en B? Nous avons donc les forces de frottement qui sont négligées. Nous allons signifier cette information. Les forces de frottement étant négligées, alors l'énergie mécanique se conserve. Si l'énergie mécanique se conserve, on aura donc variation de l'énergie mécanique égale donc à 0. Du coup, l'énergie mécanique du point final qui est le point B soustrait à l'énergie mécanique du point A égale donc à 0. L'énergie mécanique en B serait donc égale à l'énergie mécanique en A. L'énergie mécanique en B, il y avait donc énergie cinétique là-bas, et l'énergie mécanique en A, il y avait donc énergie potentielle élastique en A. Du coup, 1 demi de MV B au carré serait donc égal à 1 demi de K iso A au carré. Alors, après simplification de 1 demi, on a MVB qui serait donc égal à K iso A au carré. Du coup, l'on aura VB au carré égale à K iso A au carré sur M. Alors, VB égale à la racine de KXA au carré sur M. Alors, VB serait donc égal à XA par son sujet X0 racine de K sur M. Avec XA au point A qui est égal à X0 qui est égal à 5 cm. Donc, 5, 10 puissance moins 2 mètres. On aura VB qui est égal à 5, 10 puissance moins 2 multiplié par la racine de 300 sur la masse 0,0208. Alors, à l'aide de la calculatrice, nous trouvons 6 mètres par seconde. Chers amis, nous allons donc passer à la prochaine question qui nous demande en 4 de montrer que la vitesse VB égale à VC. Ici, nous pouvons utiliser la conservation de l'énergie mécanique ou du moins, nous pouvons aussi passer par le théorème de l'énergie cinétique. Pour cela, il suffira de faire l'étude dynamique. Système. Un solide. Référentiel. Terrestre. Supposé. Galiléen. Bilan de force.
aura P, le poids du solide. R, la réaction du plan. Interprétation ou représentation schématique. Ici, nous allons donc représenter le tracé de B à C, matérialiser le solide comme un rond, tracer le centre de gravité, s'assurer que la réaction aussi l'est. Après cette information, nous allons donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Entre B et C. Ce théorème nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre B vers C égale à 100 des travaux des forces extérieures appliquées au solide. On aura donc énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale à travail du poids plus travail de R. Du coup, après explication, nous verrons que travail du poids est égal à 0, travail de R égal à 0, KR et P sont perpendiculaires à la portion BC. Nous allons donc signifier que l'énergie cinétique égale à 1 demi de MV au carré. On aura par la suite 1 demi de MVC au carré moins VB au carré égale donc à 0. Finalement, VC au carré moins VB au carré serait donc égal à 0. Du coup, VC au carré égale à VB au carré. En conclusion, VC égale à VB. Alors, VC égale à VB, dans l'énoncé, on a trouvé que VB égale à 6 mètres par seconde, ce qui signifie que les deux donneront 6 mètres par seconde. Chers amis, nous allons donc poursuivre, suivez attentivement. Alors, chers amis, nous sommes dans la deuxième partie. Il s'agit donc ici de mouvement sur la portion circulaire CD. Cher ami, mouvement sur la portion circulaire CD. Ici, il est question en un de faire le bilan des forces s'exerçant sur la bille et les représenter. Alors, le système a changé, le solide est devenu cette fois-ci une bille. Nous allons donc signifier système. Une bille. Référentiel. Terrestre. Supposé. Galiléen. Bilan des forces. Sur le plan de portion CD, nous avons là P, le poids de la bille.
R, la réaction du plan. Nous allons faire une représentation schématique. Alors, nous allons donc représenter la portion CD. Voici donc la portion CD. Ici, au point M, nous allons donc matérialiser le solide en bleu et s'assurer qu'il soit perpendiculaire à la portion OD. S'assurer que l'on réussit donc les tangentes et représenter la réaction perpendiculaire à la tangente. Savoir que ça forme un angle droit. Une fois réussi, nous passons donc à la prochaine question. À présent, cher ami, la prochaine question est 2. Dans cette question, il est demandé de déterminer l'expression de la vitesse Vm au point M en fonction de θ G, R et VC. Cher ami, pour déterminer une vitesse, il est dit d'appliquer dans un premier temps le théorème de l'énergie cinétique qui est plus fiable. Alors, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre C et M. Ce théorème nous dit variation de l'énergie cinétique entre C vers M égale à somme des travaux de force extérieure appliquée à ce solide vers C vers M. Du coup, il faut savoir que l'énergie cinétique en R moins l'énergie cinétique en C est égale à travail du poids plus travail de R. Dans ce cas-là, travail du poids serait donc égal à RGH'. Travail de R égal à 0. Pourquoi? R est perpendiculaire au déplacement. L'énergie cinétique, on l'a pour compléter 1 demi de M VC si c'est en C au carré. Si c'est en M, on aura 1 demi de M VM au carré. Chers amis, nous allons poursuivre tout en disant 1 demi de M VM au carré moins VC au carré égale à RGH'. À présent, nous allons déterminer H'. Allons sur le schéma. Pour déterminer H', point de départ,
point d'arrivée. La distance de 2 est appelée H'. M est projeté et l'on obtient M'. On a H' égale à CM' qui est égal au plus grand des côtés moins le moyen. On aura donc CO moins M'O. H' serait donc égal à CO moins M'O. Que représente CO? CO représente donc le rayon. On remplacera donc CO par le rayon moins M'O. Nous allons donc chercher M'O. Du coup, le côté que je maquille en jaune serait donc appelé M'O. Nous sommes donc dans un triangle rectangle en M'. Considérons le triangle M' O M rectangle en M'. Suivez attentivement. Alors, on remarque d'après le schéma que notre angle est adjacent. On aura cosinus θ côté adjacent sur l'hypoténuse. On aura cosinus θ côté adjacent égal à M'O sur l'hypoténuse OM. Or, d'après le schéma, OM égale au rayon. Alors, cosinus θ égale à M'O sur le rayon. D'où M'O égale à R cosinus θ. Nous allons donc avoir H' qui est égal à R moins la valeur trouvée. Du coup, H' égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. Nous pouvons donc poursuivre en termes de vitesse. 1 demi de R VL au carré moins VC au carré égale à MG R facteur de 1 moins cosinus θ. Après simplification de M, on aura VM moins VC au carré égale à 2 fois G R facteur de 1 moins cosinus θ. Du coup, VL au carré égale à VC au carré plus 2G R facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, nous allons donc tirer VM qui est égal à la racine carrée de VC au carré plus 2G R facteur de 1 moins cosinus θ. Chers amis, nous venons de trouver VM. Nous allons donc passer à la question 3. La question 3 nous demande ici de déterminer l'expression de la force exercée. La sphère. Sur le solide. Chers amis, quelle est la force exercée par la sphère? Retenez que la force exercée par la sphère porte le nom de la réaction. Ne faites pas allusion à la force de frottement. Si c'était la force de frottement, le sujet l'aurait signifié. Quelle est la force exercée par la sphère? La force exercée par la sphère porte le nom de réaction. Cela revient à déterminer la réaction. Cela revient à déterminer la réaction.
Pour déterminer la réaction, quelles sont les procédures? Pour déterminer la réaction, dans un premier temps, il faut appliquer le théorème du centre d'inertie. Dans un premier temps, appliquer le théorème du centre d'inertie, qui est appelé la deuxième loi de Newton. Dans un second temps, il faut projeter dans la base de Frenette, suivant la normale. Alors, chers amis, appliquons le théorème du centre d'inertie. Ce théorème nous dit somme des forces extérieures égale donc à MAG. Du coup, le poids plus la réaction donnera MAG. Après avoir trouvé P et R, vous devez donc projeter dans la base de Frenette. Pourquoi? Parce que le mouvement est circulaire. Projetons dans la base de Frenette. La base de Frenette reconnaît la normale et la tangentielle. Chers amis, qu'est-ce que vous devez savoir de accélération? L'accélération égale à accélération normale plus accélération tangentielle. Du coup, l'accélération normale serait donc égale à la dernière vitesse trouvée au carré sur R. R est le rayon de courbure. Quant à AP, est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui donnera 0. On aura donc A qui est égal à AN qui donne la formule V carré R sur le rayon. Une fois c'est fait, nous devons donc suivre la normale à partir de cet instant. Suivant la normale. La normale, donc l'on va utiliser P sur la normale additionné à R sur la normale égale à MA sur la normale. Ici, l'on va vous expliquer comment l'on procède au profit de la question normale. Alors, ce trait signifie la tangentielle. Je vais donc mettre T avec vecteur. Où est situé le trait de la normale? La normale est centripète. Le centre est dirigé vers le bas. Alors, là représentera donc la normale. Une fois que nous connaissons la tangentielle et la normale, notre opération va se projeter sur la normale. Alors, vous allez donc projeter P à toucher le trait de la normale. Une fois P tombé sur le trait de la normale, vous l'appelez PN. Ce qui signifie que P est tombé sur la normale. L'endroit où P est tombé sur la normale, vous essayez de maquiller pour comprendre ce côté et comment par rapport à l'angle. Qui parle de l'angle alterne interne. Donc je reprends. L'angle alterne porte son interne là. Alors, comment P est par rapport à l'angle? P est adjacent à l'angle. Alterne, interne. Comment PN est par rapport à l'angle? On remarque que P est adjacent à l'angle. Adjacent signifie cosinus. P descend. La normale descend. Les deux ont le même sens. P descend. La normale descend. Les deux ont le même sens. Chers amis, passons à la réaction. Comment est la réaction vis-à-vis de la normale? La réaction va vers le haut et la normale est dirigée vers le bas. Comment est la réaction vis-à-vis de la normale? La réaction est de sens opposé à la normale. Chers amis, nous avons donc dit que P est positif parce que ça va dans le même sens que la normale. P descend, la normale descend. Mais l'angle est adjacent. On aura donc P cosinus θ. Quant à R,
est opposée à la normale. R va vers le haut, la normale va vers le bas. Alors, cher ami, on poursuit. Alors, nous allons trouver P cosinus theta et R est opposé, moins R égale à MA, ou remplacer AN par VM au carré sur R. Ici, nous allons remplacer P par MG, qui est l'une des propriétés fondamentales, et aussi la vitesse en point M élevée au carré par l'une des expressions trouvées là. VC au carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Du coup, l'on obtiendra RG cosinus θ moins R égale donc à M projet de VC au carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus θ sur R. Alors, chers amis, suivez attentivement. Alors ici, il faudra donc tirer R. On a moins R égale à M et les deux vont se simplifier. On aura VC sur R et là, on aura 2G facteur de 1 moins cosinus θ parce que après simplification, ici, il possède son R et cette écriture passera donc là. MG cosinus θ. Ici, on aura moins R qui est égal à M VC au carré sur R et M pénètre plus 2M G facteur de 1 moins cosinus θ et là on aura moins MG cosinus θ. Une fois c'est fait, nous allons donc enlever le signe moins. Là, nous obtenons ici moins M VC au carré sur R et le moins entre ici moins 2 mg facteur de 1 moins cosinus θ, le moins peut être là, plus mg cosinus θ. Nous allons donc avoir R qui est égal à moins mvc sur R, et là, développé membre par membre. Moins 2 mg, moins, encore avec le signe moins, on aura plus 2 mg cosinus θ, plus mg cosinus θ. Une fois c'est fait, les deux vont donc effectuer un calcul. On aura R moins MVC sur R plus 3MG cosinus θ et là moins 2MG. Nous allons donc mettre MG en facteur. Là, nous aurons moins VC sur RG. Là, nous aurons 3 cosinus θ. Là, nous aurons moins 2. Chers amis, nous venons donc de trouver la réaction. Nous allons donc poursuivre et passer à la question numéro 4. Dans cette question, nous devons donc déterminer l'angle θ1. Alors, chers amis, comment déterminer l'angle θ1? Voici donc notre sujet. Voici le point E, le point D, le point M, et voici le point C. Auparavant, l'angle est appelé θ. Notre prochain angle portera le nom de θ1. Qu'est-ce qu'on remarque? Arrivé au point E, l'angle appelé θ deviendra donc θ1. Arrivé au point E, l'angle θ deviendra, par exemple, θ1. Nous allons donc signifier arriver au point E, θ sera donc appelé à partir de cet instant θ1. Pour ceux qui ne comprennent pas, si nous sommes au point M, l'angle est appelé θ. Mais s'il y a décalage du point C jusqu'au point E,
l'angle θ deviendra donc à présent θ1. Dans ce cas-là, pour déterminer la valeur, vous devez savoir si la voiturette quittera la sphère. Si la voiturette quitte la sphère, alors vous devez poser que R sera donc égal à 0. Si et seulement si θ deviendra θ1. Dans ce cas, nous allons prendre le côté de R là. R égale à 0 équivaut à mg crochet de moins vc au carré rg plus 3 cosinus θ1 à présent moins 2 serait donc égal à 0. Cher ami, on suit. Alors ici, comme R égale à 0, l'on obtenait mg crochet de moins vc au carré sur rg plus 3 cosinus θ1 moins 2 égale à 0. La masse est une constante. G est une constante. Les deux valeurs seront donc différentes de 0. Et moins vc sur rg plus 3 cosinus θ1 moins 2 serait donc égal à 0. On aura 3 cosinus θ1 qui serait donc égal à 2, qui passera donc ici. Et là, on aura plus vc au carré sur rg. Du coup, on aura cosinus θ1 qui est égal à 1 tiers de 2 plus vc au carré sur rg. Nous allons donc tirer θ1 qui est égal à cosinus moins 1 de 1 tiers de 2 plus vc au carré sur rg. Voici donc l'expression. Nous allons donc faire l'application numérique. On aura θ1 qui est égal à cosinus moins 1 de 1 tiers de 2 et la valeur de vc dans notre sujet, vc égale à 6. Donc ça serait 6 au carré sur r qui est 6 multiplié par 10. Theta 1, à l'aide de la calculatrice, nous trouvons 29,93 degrés, soit environ 30 degrés. Chers amis, nous poursuivons tout en répondant à la prochaine question appelée 5, de déterminer les caractéristiques de la vitesse VE. Chers amis, déterminez les caractéristiques de la vitesse VE. Qui parle de caractéristiques parle de direction, sens et intensité, qui est appelé autrement valeur. Direction d'une vitesse, la vitesse appelée VE est tangente à la trajectoire. Une vitesse est une tangente à la trajectoire. Le sens, celui du mouvement. L'intensité appelée valeur. Chers amis, allons-y sur le schéma. Vous allez savoir pourquoi. À présent, chers amis, vous suivez. Allons-y sur le schéma. Vous allez savoir pourquoi VE égale à VM si et seulement si θ porte le nom de θ1. Suivez attentivement. On avait dit que VE était tangente à la trajectoire. Voici donc le geste de tangente à la trajectoire.
Voici la vitesse VE. On a aussi signifié celui du mouvement. Comme le mouvement se déroule comme ça, donc ça va aller. On a signifié que VE serait trait pour trait égal à VM si et seulement si l'angle θ devient à présent θ1. Donc, écoutez bien. VE égale à VM si et seulement θ est égal à θ1. Allons-y, chers amis, dans le énoncé du sujet. VE égale à VM et VM égale à la racine carrée de VC au carré plus 2G facteur de 1 moins cosinus θ1. Nous allons donc faire l'application numérique. VE égale à VM qui est égal à racine carrée de 6 élevé au carré plus 2 fois 10 fois 6 fois 1 moins cosinus de notre valeur appelée 30. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons VE qui est égal à 7,201 du coup mètre par seconde. Nous pouvons donc dire que VE égale à 7,2 mètres par seconde. Chers amis, nous allons poursuivre tout en passant à la troisième partie appelée mouvement de chute libre. En changer. Troisième partie. Dans la troisième partie, il s'agit de mouvement de chute libre. Alors, ici est mentionné AT égale à 0 et aussi la vitesse VE égale à 7,2 mètres par seconde et alpha égale à 30 degrés. La question posée est d'établir les équations horaires du mouvement. Au-delà du point E. Dans le repère E, I et J. Ici, nous sommes dans un mouvement de chute libre. Dans ce cas, nous devons impérativement faire l'étude dynamique et faire la représentation schématique. Système. Référentiel. Bilan des forces. Le système, il s'agit d'une bille. Le référentiel terrestre supposé d'alignement. Bilan des forces. Le poids de la bille. P est le poids de la bille. Ici, représentation schématique. Nous allons donc faire le schéma. Ici, I, là, J, et là, la hauteur, H, à tomber sur le point I. Là, le point H, c'est le point E. Nous avons donc l'angle qui fait par rapport à l'horizontale. Le sujet l'a signifié. Que l'angle est par rapport à l'horizontale. L'angle par rapport à l'horizontale est là. L'angle par rapport à la verticale est là. Le sujet a énoncé que l'angle est par rapport à l'horizontale. Alors, chers amis, voici cette information-là. Nous allons donc
parler de AT égale à 0 et AT différent de 0. AT égale à 0. Appelez condition initiale. Dans ce cas, parlons encore de VE 0. On aura VE 0 s'il a des X, VE 0 s'il a des Y. D'après le schéma, tout le monde suit le schéma. Projection de VE. Voici donc VE sur l'axe des X. Ce côté alterne interne. Ce côté, je maquille donc en rouge. Comment est le côté maquillé en rouge par rapport à l'angle? Ce côté fait face. On aura donc sur l'axe des Y et là, projection sur l'axe des X. On aura là VE sur l'axe des X. Et là, on aura VE sur l'axe des Y. Sur l'axe des X, je vais donc maquiller en bleu. Comment est ce côté maquillé en bleu par rapport à l'angle? On aura donc sur l'axe des X, VE, cosinus, alpha, et sur l'axe des Y, maquillé en rouge, on aura VE, sinus, alpha. On aura donc VE sur l'axe des X, cosinus alpha sur l'axe des Y, VE sinus alpha. On aura EG0. Comme le répète EEJ, on prend donc E comme départ. X0, Y0. On ne fait pas d'action, alors on aura donc 0 et 0. AT différent de 0 seconde. Condition quelconque. Alors, pour cela, on parlera donc de A. A sur les X, A sur les Y, implication. On parlera donc de V, E, V, E sur les X, V, E sur les Y. On parlera donc de E, G, X, Y. On utilisera donc la propriété suivante. V de T égale à AT plus V0. Là, on utilisera EG égale à 1 demi de AT carré plus VE T plus 1 EG0. Pour remplir, on se sert de V de T égale à AT plus V0. Alors, VE0 ou bien VE de X serait donc égal à A. X, T, plus VE, 0, si là les X. VE, Y, égale à A, Y, T, plus VE, 0, si Y. Concernant EG. On aura X, Y. Pour X, on aura 1 demi de AX, T carré, plus VE, 0 T plus X0. Pour Y, 1 demi de A, Y, T carré plus VE 0 Y de T plus Y 0. À l'aide de notre information, quelle est la valeur de A? Pour déterminer la valeur de A, nous devons donc appliquer le théorème de centre d'inertie. Appliquant le théorème du centre d'inertie. Somme des forces extérieures
égale à MAG. Du coup, le poids de la seule force égale à MAG. Alors, MG est égal à MAG. Donc, G est égal à A. Plaçons donc G sur le schéma. Si l'on veut placer P sur le schéma, dans ce cas, quelle est donc la valeur de A sur les X? Qui parle de A, parle de G. Qui parle de A, parle de G. Qui parle de AX, parle de GX. G est perpendiculaire à l'axe des X. 0. G a le même sens que Y. Où vous voyez J, c'est que vous voyez Y. Alors, Y est l'axe qui est là. G a le même sens que Y. Alors, G. Avec la formule, comment se présente A sur l'axe des X? 0. Alors, on aura donc V0. Notre V0, c'est VE0. Alors, on a VE cosinus alpha. Là, AT plus VE. On aura ici GT plus VE sinus alpha. Là, on aura VE cosinus alpha T. On aura 1. Là, on aura 1 demi de G T carré plus VE sinus alpha T. On aura 2. On passe donc à la prochaine question. Alors, dans la question 2, la question de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Et faire l'application numérique. Ici, numéro 2, 1 et 2 est dit dans 1 anti T. On a X égale à VE cosinus alpha T. Ou T égale à X sur VE cosinus alpha. Après, dans 2, on remplace T par sa valeur. La valeur de T est X sur VE cosinus alpha. On obtient Y égale 1 demi de G, remplacer T par son expression VE cosinus au carré plus VE sinus alpha remplacer X sur VE cosinus alpha. On obtient Y égale à G sur 2VE au carré cosinus carré alpha X au carré plus X tangente alpha. Nature. C'est une parabole. De concavité dirigée vers le haut. Une fois c'est dit, nous pouvons faire l'application numérique. Remplacer chaque terme par sa valeur. G dans l'énoncé est 10. 2 fois la vitesse 7,2 au carré. Cosinus de l'angle 30 élevé au carré.
x au carré plus x facteur de tangente 30. À l'aide de la calculatrice, nous devons donc effectuer notre calcul. Tangente 30 nous donne 0,577. Nous allons donc effectuer tout ça. Alors, nous allons donc avoir 10 divisé par 2 fois 7,2 au carré fois cosinus 30 élevé au carré. Notre calculatrice nous donne 0,128 x au carré plus 0,577x. En termes d'arrondi, on aura y égale à 0,13x au carré plus 0,58x. À présent, nous allons poursuivre en passant à la prochaine question. Suivez attentivement. Les coordonnées du point I sont I fera pour coordonnées XI égale à XI2 égale à 4,346 mètres et YI égale à H qui est égal à 5 mètres. Suivez la suite. Voici donc la vitesse V. Direction. VI est tangente à la trajectoire. Sens. Celui du mouvement. Intensité. Au valeur. Il faut appliquer le théorème de l'esthétique entre E et I. Vous trouvez donc sa valeur. En définitive, sa valeur serait donc égale à la racine carrée de DE égale au carré plus 2 fois GH. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, nous allons démontrer. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Entre E et I, on aura variation de l'énergie cinétique entre E vers I égale à somme des travaux des forces extérieures. Du coup, l'on a l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale à travail du poids. Étant donné que c'est une chute libre, le travail de R n'existera jamais. Dans ce cas, on aura 1 demi de M, VI au carré moins VE au carré égale à LGH. Du coup, après simplification de M, on aura VI au carré moins VE au carré égale à 2GH. Alors, VI au carré égale à VE au carré plus 2GH. Alors, VI égale à la racine carrée de VE. En application numérique, nous avons VI égale
à la racine de V2 qui est égal à 7,2 mm au carré plus 2 fois 10 fois la hauteur du pressing. Alors, cher ami, VI, nous allons effectuer le calcul. Nous avons la racine carrée de 7,2 au carré plus 2 fois 10 fois 5. Nous trouvons donc 12,32. Alors, la vitesse de VI en question est 12,32 mètres par seconde. Cher ami, j'ai été très ravi de partager cette vidéo avec vous. Je vais vous dire au revoir pour une nouvelle vidéo. Merci bien.